Mais tu es le diable! Ben bien sûr, espèce d'imbécile, c'est ton heure. Viens avec moi. On va boire des coups. On va trousser la gueule. Oh, mais j'ai pas le droit. Allez, viens vivre un petit peu. Bon. D'accord. Qu'était l'homme rien, sinon rien? Bras, jambes, mains, pieds, rien. Tête, rien. Dedans, rien. Quand même, le dessin à la main, pour toi, ça reste quand même le travail. Quoi. Mmh. Le dessin à la main, ça reste quand même un gros travail.
T'en fais beaucoup. C'est un peu comme jouer dans l'idée, tu vois. Faut te péter un peu. C'est beau. Ah ouais, tu te sers quand même vachement de personnages. Ça arrive, oui. Alors que sur le... Quand tu es en live performance, tu as peu de personnages. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi. Oui, oui. C'est quand même dingue ce truc. Quoi ce truc? Ça marche. La vie est mauvaise, il y a des maladies, des accidents, des opérations, la vie laisse des cicatrices et vous prend des morceaux, quelquefois juste dedans et dehors, ça ne se voit pas, sinon dans les yeux, mais dans les yeux, oui, dans les yeux, ça se voit. Alors ceci qui allait plus lentement s'éloigner dans ces grands étalements, parfois la vie de progressivement disparaît. Une recette brésilienne pendant le spectacle, parce que c'est brésilien qui joue, mais qui habite en France. D'accord. On apprend une recette en chocolat. Déjà, tu touches la coulisse. Eh, hey, bonsoir. Bonsoir. Ça marche bien. Le premier arrivé sur le premier service. Oui. Mais ça fait un Alors, comme quoi, c'est pas un vrai instrument, quand même, le plongeon. Tu en fais. On ne sait pas. T'as qu'à essayer un violon en plastique, il y en a peut-être des très bien, des violons en plastique. Voilà. Ah, mieux, joue mieux. Il y a beaucoup de gens qui ont réservé, pas sûr. Ah bon? Donc, on peut se retrouver avec 40 comme avec 20. Ouais. Il y a des gens qui ont réservé. Mais ça marche pas. Ça marche pas, mais j'en ai pas tout. C'est voilà. C'est drôle, ça, quand même. C'est vrai, non. Si tu le laisses sur la plage arrière de la bagnole, ça... Mais à quoi il te sert, en fait? Il me sert à faire les actions avec des enfants. Oui, Gilles, est-ce que vous avez la monnaie? Voilà, à passer l'heure de l'après-midi à l'autre bout du foyer. Il me sert à voyager léger. Moi, j'ai de la monnaie. Elles sont là, j'ai pas fini de filmer. Oui, ils sont montés, mais ils sont redescendus. Mais est-ce qu'il y a des retardataires qui veulent monter pour faire un écriture, des équipes artistiques au moment des répétitions pour la fabrication, que ce soit dans le domaine de la scénographie, que ce soit dans le domaine des arts visuels, que ce soit dans le domaine des arts de la rue, de la dramaturgie urbaine, à chaque fois toujours en contact avec la notion de territoire.
d'où le sous-titre du point haut, lieu de création urbaine, pour dire que nous accueillons ici des équipes pour inventer ces écritures et ces actes artistiques en lien avec les territoires. Et c'est un truc vide, c'est la peau de l'insecte. Je dis ça parce que tu as parlé de ça, donc bon, voilà. Et je dis, ben, c'est quoi ça? C'est pas. Bon, je pense qu'on n'est pas prêt pour faire de l'écologie du tout. Je dis, parce que ça, c'est la dernière muse, c'est le dernier habit, c'est ce qu'on appelle l'exuvie, le squelette externe, ce que l'insecte perd dans sa dernière mue avant de devenir un insecte parfait qui est volant, c'est une libellule. Ça, c'est une libellule. La larve, qui est comme ça en plus petit, et puis qui grossit jusqu'à avoir une taille presque de 2 cm, comme ça, elle quitte le. Elle change sa peau là, elle monte, et je fais le dessin pour les enfants de la libellule, qui se transforme donc en quelque chose comme ça qu'après, voilà, c'est ça. Or, la larve, on est dans l'eau ici, comme ça, elle est là, avec ses mandibules, avec son corps, ses pattes et tout, et elle mange les larves des moustiques. C'est quand même intéressant. Parce que ça nous concerne, d'où maladies, machin, et tout ce qui nous embête. Tout. Donc ça, c'est un tout petit animal qui a un rapport avec notre santé. C'est l'exploration de l'eau. On est dans l'eau ici, mais en fait, on est dans l'eau là-haut. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas d'eau dans l'air. C'est la vapeur d'eau. Puis ça va dans les nuages. Et pour moi, l'explication la meilleure du jardin planétaire, c'est cette transection-là. C'est le... C'est dingue.